Le rêve a pris fin hier soir pour l'Angleterre qui se voyait repartir avec le trophée de l'Euro 2020, 55 ans après sa dernière victoire du championnat. Malheureusement, après un match serré, si est l'Italie qui a remporté la mise en se distinguant lors des tirs au but. Malgré la défaite, l'équipe d'Angleterre peut se targuer d'avoir joué un beau match, mais cela n'a pas empêché certains internautes de déverser leur haine contre trois joueurs de l'équipe, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, qui ont été ciblés par des commentaires racistes après avoir manqué leur tentative de tir au but. Nous sommes dégoûtés de voir que des membres de notre équipe, qui ont tout donné cet été, ont été soumis à des agressions discriminatoires en ligne après le match de ce soir, a déclaré la Fédération anglaise de football sur Twitter. Cette équipe d'Angleterre mérite d'être traitée en héros, et non, victime, d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d'eux-mêmes, a quant à lui lâché le Premier ministre britannique Boris Johnson. Et, une fois n'est pas coutume, le prince William a également exprimé son indignation sur Twitter. Je suis écœuré par les insultes racistes adressées aux joueurs anglais après le match d'hier soir, a déclaré le prince. Il est totalement inacceptable que les joueurs doivent endurer ce comportement odieux. Cela doit cesser maintenant et toutes les personnes impliquées doivent être tenues pour responsables. The Prince William, pris à partie sur la toile par les défenseurs de Meghan Markle, un message de soutien qui a été fortement apprécié par le public, mais qui a aussi poussé certains internautes à évoquer les accusations de racisme portées par Meghan Markle envers certains membres de la famille royale en mars lors de son interview avec Oprah Winfrey. Ces derniers ont en effet suggéré au prince William de balayer devant sa propre porte avant de condamner les propos d'autrui.